是啊。走。会就是一个团工。是一个团工。啊，弄破破。Bonsoir, messieurs, mesdames, je me présente, Polo. Je suis votre nouveau prof de français. Et tout à l'heure, je suis là à côté, à écouter ce qui se rame, à ce que j'entends, à ce que je vois. Vous êtes bien chaud. Alors, je vais vous calmer. Je ne veux plus entendre un mot. Sortez vos cahiers, vos stylos et toutes vos notions de sténo. Vous allez tirer le rouleau. Je vais vous faire la dictée. Vous notez. À la mairie de Quimper, monsieur Lamère a épousé mademoiselle Le Père. Monsieur Lamère a épousé mademoiselle Le Père. De ce mariage est né un fils qui nommait Prosper. Monsieur le père, madame et la mère, les deux ainsi font la paire. Le père, quoique père, est resté la mère. Et la mère, avant d'être la mère, était le père. Le père est donc le père sans être le père, puisqu'il s'appelle la mère. La mère est la mère, puisqu'elle est née le père. Aucun des deux de Quimper n'est le maire. Étant ni le maire ni la mère, le père ne commet donc aucun impair en signant la mère. Le fils, lui, deviendra la mère. Il sera le maire la mère, fils de monsieur la mère, son père, et mademoiselle le père, sa mère. Plus tard, la mère du maire meurt d'une tumeur mammaire. Et le père du maire, le père du maire, la père. Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père, le père, vient de son bord de mer pour marcher de père avec Prosper la mère, le maire de Quimper, son petit-fils, sa mère, accompagné du père la mère, le père du maire qui a du père, sa mère. Est-ce que tout le monde a terminé, messieurs, mesdames? Si c'est le cas, c'est que le calvaire est fini. Si ça ne l'est pas, c'est que c'est moi qui ai réussi. De toute façon, rassurez-vous, messieurs, mesdames, le jury, ce n'est pas moi, mais vous, et vous allez maintenant, sans état d'âme, devoir mentionner ma copie. Merci. Deux.